Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la partie 3 de la saison 2 de The Walking Dead. Je vous rappelle que Clémentine a été mordue par le chien, qu'on s'est fait enfermer par un groupe dans une remise ou je ne sais quoi, et qu'ils veulent voir si on a de la fièvre demain et juger en fonction de ça si on est infecté et donc peut-être nous tuer ou pas. Voilà. Ah, c'est magnifique. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ouais, tout à fait. Ils sont aveugles à ce point, Alicia. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont regardé la morsure, c'est ça le pire. Ouais, on peut pas faire grand-chose avec une bouée. Qu'avons-nous là? Il y avait des outils. Attends, il va falloir qu'on fasse quoi là? Ça commence à m'inquiéter. Ah, elle veut essayer de s'échapper. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Elle veut se recoudre elle-même. Je crois que c'est mort. Qu'avons-nous là? Tu fais du yoga, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Un marteau. Ok. Oh non, me dis pas qu'elle veut utiliser les clous pour se recoudre. Alors, on va essayer avec le marteau, effectivement. Ok. Qu'avons-nous là? Ah non, elle veut s'échapper. Est-ce une bonne idée? J'ai mal pour elle, moi aussi. Parce qu'il y a les zombies dehors. Hein. Je veux pas dire, mais... We have a doctor. He's gotta have stuff for stitches. Non, mais là, trouver un chemin jusqu'à la cabane et obtenir une aiguille, du peroxyde et quelques bandages. Mais pourquoi on leur demande pas tout simplement, en fait? Je ne comprends pas. C'est un coup à se faire tuer, ça. Come on. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis, ils vont penser qu'on leur veut du mal. Ils veulent pas la soigner tout simplement. No. I think it's getting worse. Bah oui, parce que... Donc il n'y a pas de porte à l'arrière, c'est vrai. Il y a toujours une porte à l'arrière. Ah, elle est là, la porte à l'arrière. Dans les maisons américaines. On va passer par la porte d'entrée, hein. Moi, je leur dirais, bon, écoutez. Vous me soignez et après vous me mettez dans la cabane, d'accord? Ils vont me dire, mais comment t'es sorti? Ce n'est pas vos oignons, hein. Oh, je vais me faire voir. Je vais me faire voir. Oh my god. Ça sent le caca. Ça sent le caca. Ça sent, ça sent. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. Wow. So don't give me shit.
I need some air. Non, elle va sortir. Bon, vas-y, on essaie de lui faire confiance. Je sais que c'est ta femme qui tient la culotte. What the hell are you doing? I'm not gonna hurt anyone. Yeah, but you're gonna get me in trouble. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. I'm sorry I bothered you. You should be. I don't have anyone who will help me. Come on now, don't get upset. Don't get like that. I'm serious. You need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious. You gotta go. I got enough problems already. We got a baby on the way. Rebecca's all emotional. Got a mess of hormones causing all sorts of trouble. Please help. Please. Don't cry. I'm not gonna cry. I'm just tired. What, Mac? You're not with Carver. No. And you didn't get bit by a dead person. No. On apprend vraiment des trucs bizarres. Je n'oublierai pas que I won't forget that you helped me. I bet you won't. Promise. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? Okay. The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitched? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that would work. I need something to clean it out with, and a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown, and we don't got much these days. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. Okay, wait here. On attend ici? Je sais pas si c'est une bonne idée d'attendre ici. I found you some bandages. And I got you a juice box in case you're thirsty. Oh, c'est mignon, merci. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Je suis d'accord avec toi, Knight. You need to go. C'était 16 mois après, elle avait 10 ans quand on était avec mince. J'ai besoin d'une aiguille. Je vais me faire pécho. Excusez-moi, dans le sens où je vais me faire attraper. Il faut que je rentre par une fenêtre arrière. Je sens qu'il va y avoir des zombies. Parce que la petite fille, elle sait qu'on est comme elle, quoi. Normalement, elle veut se dire, ouais, attends, ça se fait pas, moi je serais à sa place, je voudrais qu'on m'aide, quoi. On peut pas regarder aux fenêtres, là? D'accord. Intéressant. Là? On est trop petite, bien évidemment. Je sais ce que ça fait. Mais là, on va être trop petite aussi, hein. C'est encore pire, là. Est-ce qu'on peut jeter un caillou à la fenêtre? Je sais pas quoi faire. Oh, en dessous. Mais oui. J'espère qu'il n'y a pas de zombies en dessous. Sinon on est mort. Faut utiliser le marteau, Clémentine. Le marteau. Voilà. Ok. Tout va bien. Qui va l'aider? Non, qui do? On y va. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film La Visite. Si vous l'avez vu, normalement, je vous rappelle de très mauvais souvenirs, là. Ah, hein? Oh, tiens, ici, il y a une ouverture. C'est vraiment une bonne idée.
Oh non, je suis deg. You made my decision. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Où sommes-nous? Ok. Je pouvais pas regarder dans la pièce, hein. J'ai essayé de me tourner et tout, mais... On a toujours le marteau, c'est ça? Heureusement, mais... On va écouter, hein. On va écouter. Dans la cuisine. Elle doit avoir faim, Clémentine, mais quelque chose de dingue. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No, I'm just saying we wouldn't miss you. Ok. J'ai vu que la lumière commençait à devenir rouge et tout. Est-ce qu'on peut aller à l'étage? Je suis sûre que la gamine allait à l'étage. Pourquoi je peux pas tourner la caméra? C'est très très chiant. De toute façon, il faut aller dans les salles de bain et tout pour les aiguilles. Hein. C'est toujours à l'étage. Bord de la cuisine. Ok. Pourquoi je vois que dalle? Ah mon dieu! Ah, ici. Oh! Attendez, est-ce qu'il faut qu'on retienne tous les noms et tout? Est-ce que pareil, ils ont l'air d'avoir des problèmes avec un certain Carter? Doc. Oh non, c'est bon, pense pas à Doc. C'est bon. C'est très stressant. Je sais pas si vous êtes aussi stressé que moi. Ah, pourquoi je peux pas aller là? Y'a rien, je suis bloquée. Là. Oh ouais, c'est là. Oh mon dieu, je suis bête. Ok. On va monter tout doucement. Au pire, si c'est la gamine, on fait copine-copine. Je suis quasiment sûre la gamine peut nous aider. One. Cone fishing, quoi? Faut pas que je rentre dans la mauvaise chambre. Du peroxyde, merci Ellie, un fil. C'est la gamine. Chut. Chut. Tu es supposé être ici. Ouais, je sais. Tu peux m'aider? Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Ah, il va pas le savoir, t'inquiète pas. Help me and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. Allez. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it with. And I need a needle with thread to sew it up. Do you know where those things are? My dad has some stuff for cleaning with the supplies. Kind of burns. I don't know if he has stuff for sewing, though. Really? Seems like he would. We don't have much. He's still trying to restock since we moved. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. Je m'en doutais. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. Yes, we are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? I promise.
Me too. Friends. Pardon. Je voulais... I help you? Will you leave me alone? I don't want to get in trouble. Je voulais lui faire, Moss. I'll get the stuff my dad uses when I get a cut. Je pense, Knight. Surtout que... ils ont dit qu'ils avaient des problèmes et tout. Ils ont demandé où est le groupe parce qu'ils ont posé des questions à propos des noms ou je sais pas quoi. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry. I won't. Ok. Donc elle nous a donné le produit. Il nous manque l'aiguille. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on demande à quelqu'un d'autre. Thanks, Sarah. Wesh, t'inquiète. Sinon, au pire, on se brûle le bras. Hein. C'est une autre solution. Ça va faire super mal. Mais voilà. Et... Oh, la salle de bain. Bingo. Coucou, Altefal, comment vas-tu? Est-ce que... Ouais. Oh, it's clean. Ok. I guess that's all I need. I better get out of here. Pourquoi on regarderait dans la douche? Ok. Lol. Comment elle parle de son mari? Je crois qu'il faut se cacher dans la baignoire. Il faut se cacher dans la baignoire. Oula, encore mieux, ouais. On va la voir se foutre à poil. Non, c'est pas vrai. Fermez tous les yeux, vous fermez tous les yeux. Damn it. En plus, elle est enceinte. Oh non, la honte. Just need to have this baby. Peggy dit. Let it be okay. Let it be his. De quoi elle parle? Hein? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Infidélité. J'ai cru comprendre ça aussi, Kudo. Après, j'ai peut-être mal compris, mais... Est-ce qu'on... C'est dangereux d'aller aux autres endroits. Hein. C'est dangereux, hein. Je devrais pas faire ça, je devrais juste retourner là où je suis censée aller. Ouais, c'est trop dangereux. Il faut que je me casse. Il faut que je me casse. Qu'avons-nous là? Oh. Je suis trop curieuse. Je sais pas, de fait. Non, recule. Voilà, on s'en fiche. Allez. On se casse, on fait comme si de rien n'était. On a déjà tout ce qu'il faut. J'ai pas envie de tenter trop le diable. On y va. Pouk. On s'en va. On s'en va. Je sais pas, Knight. Mais... Je sens que le groupe va partir en cacahuète. Allez, vas-y. Vite. On s'en va. Hop. Moi, je dis, au pire, on pourrait même passer la nuit dans ce truc-là. Hein. Parce que c'est sûrement plus sûr que dans la réserve là-bas, surtout avec un trou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, dans la remise, réserve, peu importe. Bon, je sens que ça va être... on est obligé de le faire nous-mêmes ou... Ok. Ouais, je crois qu'on va devoir le faire nous-mêmes. Alors, on va mettre d'abord le désinfectant. Tiens, on va se donner... Non, pas tout de suite. D'abord le désinfectant. Désinfectant, ça va. Je pense que ce qui va vraiment faire le plus mal... C'est au moment de recoudre.
good. I'm Regarde fine. Pas, Alicia, si ça te fait te sentir mal. Now the fun part. Ouais. On va boire un petit coup ou on boit après? Qu'est-ce que vous en pensez? Après. Ce sera notre récompense. Re, Roscoe? Faut que je le fasse vraiment moi-même. Now, just like last time. Just how Krista showed me. Je vous rassure, moi aussi ça me donne envie de gerber, hein. Vous êtes pas les seuls. En plus, j'ai foiré. Mais ça se fait pas comme ça. C'est pas grave. Je regarde le chat, c'est bien Alicia. C'est horrible. Jus d'orange. Oh, c'est vrai, Kudo. Je peux le prendre maintenant ou pas? Attends. Est-ce que je peux le prendre maintenant ou pas? Attends. Stop. Merci, Kudo. Lâche ça, s'il te plaît. Clem. Clem. Elle veut pas. Clem. Lâche ça. Elle veut pas. Ok, je suis obligée de continuer. Je crois que tu es le seul, n'est-ce pas? J'ai mal à mon bras, comme si on me l'avait fait à moi. C'est horrible. J'ai mal aussi dans les veines ici, là. Tiens, prends le jus d'orange. Ouais. C'est bien ça. Enfin, le jus de pomme. On va mettre le bandage. Mais quand on fait une prise de sang, il donne du jus. Ouais, tout à fait, Kudo. Je m'en doutais. Dégage. Oh my god. Dans le crâne. Je peux faire autre chose. Merci. C'est bon là, c'est bon. Holy shit. What the? How did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? The shed should have been safe. Désolée, je suis en colère. Are you happy? I could have died, you know.
Well, you didn't. I just needed some help. Alors elle, je vais pas être pote you avec elle du tout. Up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. C'est un peu trop tard maintenant, j'ai fait tout le boulot, ouais. We better get inside. You hungry? Ah? Pourquoi je peux pas répondre? Ah bah je peux pas répondre, désolé mec. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Me dis pas qu'il a redécousu pour recoudre après. This might hurt a little. Ow. How's she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. I wish you wouldn't have done what you did. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Elle est trop badass, Clémentine. Ouais, tout à fait, Nesta. Par contre... Hey, brought you some food if you're hungry. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit le père, enfin, le médecin? Leave one hell of a scar. Ouais. Better than losing it. Now you can say that again. Scars, they're way cooler than stumps. What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Mais oui, elle a le droit d'avoir le contact social, la fille. Je suis d'accord, Knight. Et même... Enfin... Faut l'aider à grandir quand même à un moment, non? Hey, look. I just want to say I'm sorry for... for being a dick out there. C'est bien. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't okay. hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. Est-ce qu'ils peuvent m'en parler? What happened? On va savoir. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Bad things have happened to everyone. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. You can let yourself heal up,
Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. Il est gentil. Il est gentil, mais So, what happened to your parents? La dame, je pense pas qu'elle va être d'accord. On parie. I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Well, I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it, but it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. Yeah, he was. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Oh, you're still here. Qu'est-ce qu'il y a? Wow. I wouldn't get comfortable if I were you. Maybe you fooled everyone else, but not me. Mais la paranoïa, ça soigne, hein. Don't talk to me like that. For what? You can't pull some shit on me. I'm not my husband. You should watch your language if you're going to be a mom. You should watch your ass if you know what's good for you. I just needed some help. Well, you got it. Now go. Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. Alors tu me respectes, c'est comme ça que ça se passe. You should probably think about being nicer to me. That's just my advice. I knew you were going to be a fucking problem. C'est elle toute seule qui s'est mise dans les problèmes, je suis désolée. C'est pas Clémentine le problème. Alors là... Bien dit, on est d'accord, Ayali. Ça pique, hey, why not? Vas-y, on la menace. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Quoi? Once she gets going, there's no bringing her back. Her bark's worse than her bite. What's her problem? Yeah, she's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. Ouais, surtout quand on sait pas le bébé de son mari. How far are these fish traps? It ain't much further. T'avais l'impression que le bol flottait, lol. By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Tout à fait, Alicia. Elle nous parle mal, je suis désolée, je vais pas être gentil. First time I took him hunting.
Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Désolé, je sais pas quoi répondre. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. Oh là là, le I apologized already. She accepted. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. Oh, l'ambiance. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much, and he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Huh? Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Ah, full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Carver, who's Carver? Voilà. Ce serait bien qu'on en apprenne plus. Check those guys there. Ils ont pas répondu. Be careful. Some of them might still be moving. Je veux savoir, moi, c'est qui Carver, il s'est passé quoi? On va lui parler. What can I do? See if you can find anything else. Like what? Like what might tell us who did this. Okay. This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Okay. C'est bizarre cette histoire, hein. Can I help? I got it. Je veux pas aller là-bas, du coup. Je sais pas quoi faire. What's this doing here? On peut rien faire avec ça. D'accord. Je comprends pas. J'ai rien à faire. Attends. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? Huh? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now! Jesus Christ, get a hold of yourself! What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You wanna be useful?
Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Zombie, mec. Ah non, c'est bon. Same deal. I'm shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Okay. Oh, y'a un sac là? Non, c'est pas un sac, c'est une pierre. Est-ce qu'on est censé reconnaître quelqu'un ou... Là, il n'y a personne. Donc on est censé aller là-bas, j'imagine. Ah, c'est son sac. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me! Please. Oh man. Fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Lurkers! I'm out of ammo! Come this way! Bitch! Damn it! You get your asses over here, both of you! I'll cover you! We gotta get out of here! Get over here, god damn it! Can't you... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. J'ai pas d'armes, mec. Pete! No! We have to go! You could have saved him! How can you just leave him? Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. What are we gonna do? Someone's outside! Someone came here looking for you. A man. What? Oui, did he say Alicia. What his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? Wow. I can't keep going. I figure we got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. You were dead. Non, attends.
C'est qui? Est-ce que c'est Krista? Mes choix. Épisode 1, tout ce qui reste. Est-ce que j'ai essayé de sauver Krista? 58%. Est-ce que j'ai tué le chien? 52% l'ont fait. Est-ce que tu as accepté les excuses de Nick? Oui, comme 50% des joueurs. Est-ce que tu as donné de l'eau à l'homme qui est en train de mourir? Oui, il n'y a que 43% des joueurs qui l'ont fait. Et est-ce que tu as sauvé Nick ou Pete? Comment ça, sauver? De toute façon, il était déjà mordu, donc dans tous les cas, il allait mourir, l'autre. Bon, et bien nous avons fini l'épisode 1 de la saison 2 de The Walking Dead. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai bien aimé, hein. Franchement, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'émotions fortes. On est dans un groupe, on sait pas du tout ce qui se passe, il y a plusieurs secrets, plusieurs trucs et tout. Donc merci beaucoup d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie de la saison 2 de The Walking Dead, donc de l'épisode 1. Je me suis bien amusée, beaucoup d'émotions fortes, et je suis impatiente de lire vos avis à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez me soutenir, m'encourager, ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt.